On est tout seul qui rentre au bois là. Il a pas plu, il s'est arrêté de pleuvoir à minuit là. Là tu mets les chiens mon gars, ils vont l'embrayer, tu vois, ça va être Bagdad. Ça saute sur des communes à côté, on est obligé d'arrêter les chiens. Donc moi je le fais plusieurs fois, moi à la voie je les arrête. Des fois quand c'est très chaud et que je suis trop loin des chiens, ben voilà, on est obligé de passer au devant avec le 4x4 pour couper les chiens. Mais là quand je suis à leur cul, à la voie j'arrive à les arrêter. Et si vraiment ils s'arrêtent pas, voilà, je prends le fouet, mais bon, c'est vraiment en dernier recours si vraiment il faut vraiment les arrêter à sauter d'une route ou par exemple à la voie ferrée ou quand ça arrive sur des... en rade d'autoroute et tout, tu vois, voilà, moi je fais écouter les chiens pour même pour la sécurité. Avec Manu, je pense. Au boulot. Bon, vous allez vous mettre, ok? Du coup, on a voulu attaquer sur des pieds de 6 sangliers qui traversaient une terre. Donc on a attaqué ce matin vers 11h, quelque chose comme ça. On a mis 6 chiens sur le rapproché, plus 3 jeunes et un collègue. Et on est tombé sur des sangliers qui étaient déjà là hier et qui étaient encore là aujourd'hui. Donc on est tombé sur une laie avec des petits sangliers qui faisaient à peine 20 kg, 2 ou 3 de 40 kg. Et du coup on a pu découpler sur un sanglier de 50 kg que les chiens ont lancé. Les chiens ont pris au vent quand on rapprochait. On a pu découpler, on a découplé en tout une vingtaine de chiens sur sanglier. Non, là, n'appelle pas. Il monte le cochon. Il monte. Peut-être plusieurs. Ouais. Tu vois pourquoi il faut toujours faire confiance au chien? Toujours. Ah, il y a deux menées.
parler le moins possible au truc. Ah, ça s'est séparé, putain, c'est dommage. Non, c'est tout sur le même, c'est chiant de avec les rocheuses, je pense. Ah, ça. Là, ça va lui raconter quelque chose, Baron. Écoute le jargon. Attends le jargon. Ça, c'est le tube, quoi. C'est le tube. Attends, ça, c'est ah, bien. Faut pas crier, faut pas crier. Criez pas, criez pas, criez pas. Dites rien. Dites rien, les chiens vont faire le boulot. Criez pas. Ça, c'est bon pour faire peur aux chiens. Crie pas, ça sert à rien. Crie pas, crie pas. Il y a assez de chiens, ils n'ont pas besoin de... Si tu m'entends, j'espère que tu prends ton pied à écouter ça. Et donc on a fait un rapproché de 25 minutes qui est arrivé sur un sanglier de 60-65 kg qui a fait beaucoup de ferme. Julien qui était au 4x4 a pu découpler, on n'était pas loin, on était à combien, 200 mètres. 4x4 était à 200 mètres des sangliers. Il a pu découpler tous les chiens quand je lui ai dit au talkie et quand je lui ai annoncé que les chiens étaient aux fermes. Et là, on a lâché avec donc nous et nos collègues, on a lâché à peu près 30 ou 35 chiens. C'est beau. Le sanglier était dans une coupe qui faisait à peu près 5 hectares. Et le sanglier voulait pas sortir. Il avait 35 chiens au cul, mais il bombait assez régulièrement les chiens. Et bon, il a fait une pointe pour sortir. Il a un peu bifurqué les chiens. Donc moi, j'ai voulu rentrer dedans. Et au moment où je rentre dedans, j'entends meneur et qui le remet aux fermes et qui se fait un peu taper. Et donc du coup là je décide de ramener tous les autres chiens dessus. On a ramené tous les autres chiens dessus, on a réussi à faire sortir le sanglier. Enfin avant qu'il sorte il m'a foncé dessus un peu. Il m'a foncé dessus. Il m'a foncé dessus. Ouais, il m'a foncé dessus là. Moi je sais pas, il fait 60-70 là, tu vois. Il était là là. Il était là. Les chiens tous sont fermes, il m'a foncé dessus comme ça. C'est calme, non? Hein? C'est calme. Mais t'inquiète pas. Ça c'est un cochon qui va descendre le mec. Bah. Il y a du monde. Il a pas intérêt de se caler longtemps parce que... Ouais, j'ai pas la fin. Hein? Thank you.
Thank you.